إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <coughs> طيب donc aujourd'hui ان شاء الله Je prends la, la parole, Naham, pour venir clarifier, Inshallah, quelque chose de très très important. En règle générale, je n'entre pas dans ces polémiques, dans les fitan, etc., Naham. Mais étant donné que je suis un témoin direct, Naam, un témoin direct de la voie égarée, je suis même une victime directe parmi tant de victimes, de frères et de sœurs, ici à Burningham, Naam, qui sont touchés par l'égarement, Naam, de Abou Abdelrahman, Mehdi Abou Abdelrahman de Burningham, Majid Salafi, entre parenthèses, Naam, je me vois donc dans l'obligation de témoigner, de témoigner et de vous faire part de la gravité des faits que j'ai constatés ici à l'encontre de Mehdi Abu Rahman, de Burningham et de ses suiveurs, et de ses suiveurs Naham. Donc je vais vous relater, inshallah Ta'ala l'effet, inshallah, que j'ai pu constater depuis une année. Naham, j'ai pu constater tout cela depuis une année. Alors pour commencer, je voudrais, dès le début, répliquer à une ambiguïté. Et je vous expliquerai pourquoi. Je réplique dès le début, je fais la réplique de cette ambiguïté. Cette ambiguïté, de leur part, à Mehdi Abou et son assemblée, de dire, lorsqu'une personne vient les conseiller ou dire la vérité, éclaircir leur voix égarée, de dire On ne le connaît pas, il n'est pas connu etc., etc. Alors, sachez qu'au niveau du bagage scientifique, et même l'endroit où j'ai pu étudier, ils n'ont pas mieux que moi, ils ne sont pas mieux que moi. Naham. Et si certains sont placés au-devant de la scène, c'est-à-dire nous on est connus, nous on fait des traductions, nous on fait ceci, nous on fait cela, sachez que si certains sont placés au-devant de la scène, par amour du leadership, cela ne signifie pas que les autres n'ont aucun niveau. Ceci est une erreur de penser de cette manière-là. Et c'est ce qu'ils veulent faire penser. C'est ce qu'ils veulent, ce, ce qu veulent faire croire, Naham. Donc, dès le début, je viens casser cette ambiguïté de dire on ne connaît pas, etc., etc. Pourquoi Parce qu'une fois, je les ai conseillés, Naham, et la réponse que j'ai reçue, on ne le connaît pas. Euh, c'est pas vrai ce qu'il dit, etc. Naham. Également, je vous dis cela, je réplique à cette ambiguïté dès le début, avant de commencer yani, l'éclaircissement de ce petit résumé. Je vous dis cela car leur méthodologie, c'est de faire tomber tous ceux qui s'opposent à leur égarement. Ça, c'est leur méthodologie, méthodologie qui contredit la voix des célèbres, c'est-à-dire, tu es avec moi ou tu es contre moi. Naham. Cela, je n'ai pas besoin de vous faire un détail et de vous l'expliquer, vous trouverez cela dans certains, certaines interventions chez euh, certains de nos nobles frères, prêcheurs à la voix des célèbres, à la voix du kitab ou à Sunna qui ont expliqué cela en détail. Naham. Donc ici, je prends la parole pour ceux qui recherchent la vérité, pour faire part de mon témoignage, de mon outrage, de mon désaveu. Mon témoignage sur la voie égarée Haddadi que suit Mehdi Abou Abdelrahman et ses semblables, qui font fuir ici à Birmingham les gens de leur mosquée par leur voix remplie d'excès et d'exagération. Et comme vous le savez, le prophète Ali as nous a dit dans un hadith authentique :« Attention à l'exagération dans la religion. Ce sont égarés ceux d'avant vous par l'excès dans la religion, l'exagération. Alors, la première chose. Et qui, je crois, est la plus aggravante, la plus grave, la plus accablante pour Mehdi Abu Abdelrahman et ses semblables. La chose la plus, le délit le plus accablant que je vous apporte, mes frères et sœurs. C'est la parole, mes frères et sœurs, d'un grand savant d'Arabie saoudite qui est connu et dont il n'y a rien à dire sur l'honneur de ce savant qui a fait une mise en garde contre Mehdi al-Rahman et sur ses semblables. Alors on va être juste, Naham, on va être juste, on va dire que cette mise en garde elle est ciblée sur une personne directe et indirectement sur tout l'entourage de cette personne, donc Mehdi Abu et son entourage. Et je vais détailler, inshallah, je vais vous éclaircir sur cela. Il y a quelques années de cela, il y a quelques années, na'am, quelques années de cela, Sheikh Wassiullah Al Adbes, s'est rendu ici à Birmingham. Naham, il s'est rendu ici à Birmingham. À la Maktaba Salafia, il s'est rendu à la Mosquée Salafi aussi. Et il dit dans sa mise en garde a mis en garde contre Abu Khadija et tout son entourage. Il faut savoir que Abu Khadija, c'est celui, c'est comme le prêcheur principal de la mosquée salafi, entre parenthèses, pseudo-salafi, de Birmingham. Et vous avez aussi les enseignants comme Mehdi Abou Abd qui sont très proches de lui. Et d'ailleurs, Mehdi Abou Abd le défend et prend parti. Ils sont comme les doigts de la main, si on peut dire. Naham. C'est ce que j'ai constaté depuis une année. Depuis deux ans, pardon. Depuis deux ans. Donc, Sheikh Wasi Allah est venu ici et les a rencontrés. Il a rencontré Abi Khadija il a rencontré les gens de la mosquée ici de Burningham donc elle se nomme salafi mais moi je l'appellerai euh, entre parenthèses salafi naham car je n'ai pas vu la salafia en deux ans je n'ai pas vu la salafia chez eux naham je les ai vus contredire la salafia donc mon premier dalil, c'est la mise en garde d'un savant sur abi Abdelrahman et ses semblables Wassi Allah après s'être assis avec eux il le dit et ne vous inquiétez pas je posterai la vidéo le lien de la vidéo de la mise en garde en vidéo sur YouTube, euh, juste en dessous de la mise en garde. Donc le savant, le grand savant d'Arabie, est venu, s'est assis avec eux, et il a constaté cet égarement que, que beaucoup sont surpris de constater aujourd'hui. Naram, il y a quelques années de cela. Alors, ici je n'ai pas en tête tous les détails de la mise en garde, vous la regarderez et l'écouterez vous-même. Mais ce que je veux spécifier ici, c'est que ce que j'ai le plus retenu ici, c'est que le Sheikh a dit, ce qu'ils font c'est un grand crime. Sheikh Wasiyallal Abbas a dit, ce qu'ils font est un grand crime. Crime, il parle d'Abi Khadija, il parle de Mehdi Abu al-Rahman et de tous ses semblables ceux qui le suivent. C'est un grand crime. Alors allez vous, allez vous renseigner, barakallahoufikoum, ce que c'est qu'une mise en garde d'un grand savant, ce que signifie un grand crime dans la religion. Naham. Donc, Sheikh Wassi Allah Abbas, il explique qu'il a vu leur menhège. Déjà, il y a quelques années, tout de suite en parlant avec eux, en constatant, en analysant, en s'asseyant, etc., il a constaté leur menhège. Leur menhège de haddadi. Leur menhège d'égarement. C'est-à-dire de, de, de s'empresser, et il le dit dans son audio, dans sa mise en garde, le chir, il s'empresse à porter un jugement sur les autres. Et regardez, c'est ce que... C'est ce ménage égaré, hein, c'est ce manège, cette voie égarée qu'il pratique aujourd'hui. Donc, la première chose, mon premier dalil, pour mettre en garde contre Mehdi Abou Abdarrahman et tous ses semblables, tous ceux qui le suivent, mon dalil premier, c'est de suivre, de me conformer à une mise en garde. Détaillé d'un grand savant d'Arabie. Donc, pour ceux qui veulent me répliquer, allez répliquer à Shirwasi Allah Abbas Nahan. Voilà d'où je tire ma mise en garde. Première chose. Alors, vous me direz, on ne savait pas, mais on a entendu, nous n'étions pas au courant, mais on avait entendu ça. Je vais vous dire, je vais vous clarifier de cela tout de suite. Ce qu'ils ont fait, Mehdi Abi Abdelrahman et ses suiveurs, et Abi Khadija et toute la bande, qu'est-ce qu'ils ont fait À ce moment-là, ils ont étouffé la mise en garde. La mise en garde a été étouffée, première chose. Deuxième chose, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle du ta'an ils ont commencé à dénigrer Cheikh la Abbas. Wallahi, je témoigne devant Allah Ta'ala, Abdelkarim Karim, Abou pour ceux qui me connaissent, j'ai étudié dans le centre d'études de Cheikh rahim Rahimahoullah, de son vivant, je me suis assis avec Cheikh rahim de son vivant, avec d'autres savants, il y a des étudiants de Sheikh Moukbal, de grands étudiants, qui sont connus aujourd'hui, qui me connaissent. Je vous jure, wallahi wa tallah, wallah wa billah, que tout ce que je vais vous dire, c'est vrai. Je travaillais dans une petite entreprise, entre frères. Il y a un frère qui maintenant, aujourd'hui, travaille au majid. Sa la fille entre parenthèses. Il travaille dedans. Un jour, il est venu me voir, ce frère. Il me dit :« Harry, je vais te dire quelque chose et tu vas me donner le jugement sur une personne qui dit des propos comme ça. » Il me dit :« Il y a quelqu'un qui dit que... Les soufis, ce n'est pas des mouchrikins. Cette personne, il défend les mouchrikins. Que les, que les soufis ne sont pas des, des, des innovateurs, il défend les innovateurs. Des paroles de dénigrement, des paroles comme ça. J'en ai même oublié pour vous dire. Il me dit, que penses-tu d'une personne qui dit ça Je lui ai dit, c'est grave. Il me dit, c'est Shir Wassi Allah al Abbas. Wallahi, Allah est témoin de ce que je dis. Il me dit, c'est Shir Wassi Allah l'Abbès. Al Ensuite, il me dit, c'est Sheikh Wassi Allah al Abbas qui a dit ça lorsqu'il est venu au magi de Salafi. Entre parenthèses. C'est une honte de dire que c'est un magi de Salafi. Un savant, Salafi, un savant de la Sunna, est venu les visiter, il les a conseillés. Puis lorsqu'il a mis en garde contre leur grand crime, ils ont ils ont, ils l'ont critiqué, ils l'ont dénigré et ils ont atteint, attenté à son honneur. Puis lors d'une autre conversation avec ce même frère qui est proche de cette mosquée, qui maintenant travaille dans cette mosquée, me dit, oh la dernière fois tu m'avais dit que un tel, un tel étudiait avec Sheikh Rajihi en Arabie. Il m'avait demandé des nouvelles d'un frère, je lui avais dit, oui ce frère, euh, à ce que j'ai entendu, il étudiait avec Sheikh Rajihi. Le frère de me dire... Achille, euh, il faut que tu saches aussi attention, Cheikh Rajihi, euh, il, il y a des choses aussi, il y a des trucs sur lui. Voilà, voilà mes frères, la voix. Donc je n'ai rien contre le frère qui m'a euh, communiqué ces choses-là. Naam, c'est juste pour vous dire voilà la voix de Mehdi Abiy et de ses, de ses semblables et de Abiy Khadija, Naham, le frère, alhamdulillah, je n'ai rien contre lui, il n'y a rien de personnel, on s'est toujours bien entendu et je pense du bien de ce frère. Mais le frère, peut-être qu'il est pris, peut-être qu'il a été pris dans, dans embrigadé, car c'est un jeune, il a été embrigadé dans cette voie égarée. Je demande à Allah au allah qu'il euh, le fasse revenir, Naham. Donc voyez mes frères et mes sœurs. On ne parle pas de moi, on ne parle pas de qui que ce soit, on parle d'un grand savant de la sunna. J'ai voulu commencer avec quelque chose de fort. Ces gens-là, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'ils s'attaquent aux savants de la sunna. Et si vous connaissez un seul savant d'Arabie, ou d'ailleurs qui a mis en garde contre sur Abbas, alors, levez-vous tôt le matin. Naham. À part eux, hein, qui se permettent de mettre en garde contre des grands savants, ça y est, ils ont pris l'habitude, ils ont pris leur aise, ils ont pris la vitesse de croisière. Pourquoi Parce que personne, illa bi se sont mis en face d'eux, pour le moment. Je ne vais pas dire personne, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la voie véridique, dans la voie dans le sentier d'Allah et qui ont parlé, et qui ont écrit, Naam, pour prévenir nos frères et nos sœurs de la voie égarée que suivent Mehdi Abdallah et ses semblables, Naam. Donc ça, c'est mon premier Dalil, mes frères et mes sœurs. C'est mon premier Dalil. Mon premier Dalil, un grand savant de la sunna, qui a fait une mise en garde, qui a fait une mise en garde détaillée. Nahum. Il explique pourquoi il a fait cette mise en garde contre eux dans cet audio, cette vidéo, et j'invite mes frères ou mes sœurs Naham, pour ceux qui ont la capacité de le faire. Je n'ai pas le temps, je vais essayer de traduire cette vidéo car elle n'existe qu'en arabe, en, en arabe et en anglais. Je crois qu'elle n'existe pas la traduction en français. Sachez qu'en ce qui concerne Mehdi, Abu Abd al-Rahman et, et, ses, et, ses, et ses acolytes, ses, ses semblables, et Abi Khadija et d'autres, que beaucoup de salafis, de gens de la sunna ne sont pas d'accord avec eux. Et en Angleterre, vous avez le masjid salafi de Londres qui n'est pas du tout en conformité, d'accord avec eux qui n'est pas du tout d'accord avec eux, Naham. Donc en premier lieu, je vous ai fait part de la mise en garde du grand savant, Sheikh Wasihallah Abbas, Naham, dont je vous mettrai le lien dans, euh, en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien inshallah Et maintenant, bien que cette preuve la parole d'un grand savant la mise en garde d'un grand savant devrait être une preuve suffisante pour ceux qui ont un minimum de connaissance de la voix des salaf, et pour ceux également et pour ceux également qui sont doués au al pour ceux qui sont doués na'am, d'intelligence et qui ne font pas ce qu'on appelle du suivi aveugle Naham. Donc maintenant, après cette mise en garde du grand savant, je voudrais, comme je l'ai dit, témoigner de faits extrêmement graves qui viennent corroborer, qui viennent confirmer la mise en garde de Shirqwasiallah Abbas, qui lui est venu et l'a constaté en peu de temps ce que moi j'ai constaté en deux ans. Naham. Alors il faut savoir, je vais donc vous relater des faits que j'ai vécus moi-même avec ces individus ou des frères également présents ici qui ont vécu aussi des, des faits très graves à propos avec ces gens-là. Alors il faut savoir que la mosquée que ce soit la mosquée salafi entre parenthèses ici ou la maktaba salafi pseudo maktaba salafi à Birmingham, il faut savoir une chose c'est qu'ils ont la méthodologie de tuer avec moi ou contre moi. Ils ont fait fuir énormément de frères et de sœurs ici qui ont mis les pieds ne serait-ce qu'une fois dans leur mosquée ou dans leur maktaba et qui ne sont jamais retournés. Ils ont émis comme condition, regardez un fait très grave qu'avait remarqué d'ailleurs Sheikh Allah Abbas, et que j'ai constaté moi-même et d'autres frères et sœurs ici, l'ont constaté à leur dépens, c'est qu'ils ont émis une condition de la salafia de faire partie de leur groupe exclusif, et venir à leur mosquée ils ont mis short. ils ont mis une condition pour être salafis d'aller à leur mosquée et j'ai des des affaires des, 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 des histoires des récits, de nombreux récits de frères qui n'avaient pas le temps d'aller à leur mosquée qui habitent, qui habitent un peu loin de leur mosquée et qui allaient prier dans une mosquée de gens du commun ou autres, ils classifient ces gens-là d'innovateurs. Si tu ne vas pas dans leur mosquée, tu es un innovateur. Ils l'ont fait avec tous les frères qui ne vont pas à leur mosquée. Et je vous cite le Dalil. Il y a un frère qui prenait des cours avec moi. Et ils sont partis le voir et faire une mise en garde. Oui, ce frère est un hisbi, il ne faut pas prendre des cours, etc. Le frère de leur répliquer Quel est votre dalil Quelle est votre preuve Donnez vos preuves si vous êtes véridique, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, dans le noble Coran. Quelle a été la réponse Leur réponse a été Oui, mais il ne vient pas à la dans notre mosquée. Alors, si tu ne vas pas à leur mosquée, regardez la voix de Mehdi Abou Abdelrahman et de ses suiveurs. Si tu ne vas pas à leur mosquée, tu n'es pas Salafi. Alors, nous posons la question et je vais vous répondre question rhétorique. Qui avant eux a émis une condition de prier dans un magi de salafi pour être salafi On sait très bien ce que disent les ulama. Il est préférable, si tu as un magi de salafi, d'aller dans cette mosquée. Il est préférable de prier dans cette mosquée, mais pas obligatoire. Et certainement pas une condition de validité de, de la salafia d'une personne. Et pourtant. Parmi les crimes qu'ils commettent, c'est de mettre cette condition pour qu'une personne soit salafie. Également, parmi leurs crimes, bon, il y a beaucoup hein, de sœurs et de frères qui se plaignent de leur voix égarée, qui sont partis dans leur mosquée et qui ont constaté qu'ils faisaient ce qu'on appelle imtihan ils testent les gens. Pourquoi tu ne viens pas dans notre mosquée Pourquoi tu vas là-bas Pourquoi tu fais ça Ils testent le menhéj, la voix des gens. Et ça, les savants disent, on ne doit pas faire ça. Tu dois penser du bien de ton frère. Il y a beaucoup de gens qui suivent la voix des salaf ici à Birmingham, et qui ont fui cette mosquée, parce qu'ils, pour eux, ils ont constaté que cette mosquée, Prétend à la salafia mais n'a rien de la salafia. Alors pour cela, eux, ils les ont rendus, ils les ont rendus innovateurs. Regardez le grand crime et celui qu'a dénoncé Siroussi dans la leur grand crime de pratiquer les caractéristiques, les surfaits de l'innovateur avec leurs frères et sœurs. Et je vous le dis, puisqu'ils l'ont fait avec moi et avec d'autres frères et sœurs. De nombreux frères et sœurs qui n'allaient pas dans leur mosquée, ils leur font le hajjr et ils les traitent de hizbi, ils les taxent de hizbi. C'est qui le hizbi C'est l'innovateur. C'est à qui qu'on fait le hajjr C'est à l'innovateur. Regardez. Leurs frères et leurs sœurs de la Sunna, ils les taxent d'innovateurs. Wallahi, je vous jure par Allah. Quand tu dis de ton frère. Parce qu'il ne vient pas à ta mosquée, parce que lui, il a été agressé dans ta mosquée, et on va y venir. Il a été agressé dans son honneur, etc. Il a été agressé dans votre mosquée, alors il ne vient pas. Alors on le taxe d'innovateur, on fait mise en garde contre lui. Voilà la voix de Abu Abdelrahman et de ses semblables de ceux qui Abu suit et de ceux qui le suivent aveuglément naham De même Ibn Sirin rah rahimahoullah a dit regardez d'où vous prenez votre religion ceci est une religion regardez d'où vous prenez votre religion naham Un jour je me suis rendu dans la mosquée soi-disant salafi. Je me suis rendu dans cette mosquée pour prier et il y a un frère qui m'a interpellé. Salat al-Fajr. J'entre dans la mosquée, je passe le salam ou aleykoum et il y a un frère qui m'appelle Peux-tu venir donc, je me rends auprès de ce frère, Assalamu alaikum, Kaif Halek, comment vas-tu, Achri, etc. Le frère me dit, Achri, comme ça on ne se connaît pas, Achri, les savants, ce sont, Chichantel, 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 il m'a cité entre 4 et 6 savants, et il me dit, ce sont eux les savants. Je jure par Allah, wallah, que mon témoignage, je témoignerai le jour de la résurrection devant Allah. De tout ce que j'avance, de tout ce que je dis. Ce frère, je lui dis, barakallahu khair. Comme le disent les savants, lorsque quelqu'un, et je crois même qu'il m'a rapporté un hadith. Donc comme le disent les savants, c'est une tradition, lorsque quelqu'un vous donne une parole utile, cela fait partie de la tradition du bon comportement dans la science de lui donner une parole encore plus utile. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Mais avant de lui donner cette parole encore plus utile, j'ai voulu le conseiller, lui dire, Ahri, il faut que tu saches que les savants ne se... La liste des savants n'est pas réduite à 4, 5, 6 savants. Il y a Shir Salih Alishir. Al-Mufti, Sheikh Abdelaziz Al-Eshir, Sheikh Lohayden, Sheikh Al-Rodayen, etc., etc. Au moment où je lui ai dit ça, il m'a coupé la parole, il m'a il quitté, il m'a dit Oh là, là là Je me souviens plus ce qu'il m'a dit, une mauvaise parole, il est parti. J'ai dit Subhanallah Voilà mes frères et mes sœurs, la voix de Mehdi Abu Abdelrahman et de ses semblables. Et pourquoi je vous dis la voix de Mehdi Abou Abdelrahmen Parce que c'est sa mosquée. C'est là-bas qu'il enseigne. Naham, il ferait mieux de s'occuper de sa mosquée avant de mettre en garde contre des grands savants de la sunna. Regardez, il s'est oublié lui-même, lui et son entourage. Et je vais vous dire d'où vient cette erreur en ce qui concerne le fait de réduire les savants à 4, 5, 6 savants. Quelques jours auparavant, j'avais assisté à une khutba de Abi Khadija où dans sa khutba, il insistait en disant, les ulamas, ce sont Sheikh Raber, Sheikh Ubaid, Sheikh Intel, Sheikh Intel, et j'avais constaté qu'il en avait cité 4-5 et qu'il insistait dessus. Je me suis dit, inshallah, j'espère et je, je crains que les jeunes vont comprendre que la liste des Ulama est réduite seulement à ces savants-là. Ça n'a pas loupé mes frères et sœurs. Ça n'a pas loupé. Regardez la voix de Mehdi Abdi Abdi Rahman et de ses acolytes et de ses suiveurs aveugles. Je suis parti moi-même à la mosquée et on m'a agressé dès le matin en me disant Les ulamas, ce sont un tel, un tel et un tel. Est-ce que ça, c'est la voix des salafs, mes frères et sœurs Est-ce que ça, c'est la voix des salafs, mes frères et sœurs Le prophète Ali -Salam a dit dans un hadith authentique Bashiro walatunafiro. Apportez la bonne nouvelle, attirez les gens et ne les faites pas fuir. Voilà, ils ont fait fuir des frères et ils ont fait fuir des sœurs. Avec ce genre de comportement. Une sœur s'est rendue à la mosquée, elle n'avait pas le sitar. Les sœurs de, de, de Birmingham, de la mosquée, soi-disant Salafi, elle l'a regardée de travers. La sœur n'est plus jamais retournée au magie de soi-disant Salafi. Regardez comment ils contredisent la parole du prophète, Aïssa. Bashiro Ne faites pas fuir les gens. Et wallahi, combien de gens vont se reconnaître dans mes paroles? Combien de sœurs sont parties, combien de frères sont partis à la mosquée pseudo-salafi et ne sont plus retournés, dégoûtés de ce comportement, de ce fléau, de ce crime immense, de ce grand crime de dénigrer ses frères, de faire fuir ses frères, de mal se comporter avec ses frères et ses soeurs, de sortir ses frères et soeurs de la voie droite. Naham. Donc, comme je vous le disais, c'est devenu une maladie et monnaie courante chez Mehdi Abou Abdallah et tout son entourage, la mosquée salafie de Birmingham, Small Heath, et... La Maktaba également, Maktaba salafia également, dont Sheikh Wasi Allah Al Abbas a mis en garde. C'est devenu monnaie courante de sortir, de dénigrer les, les, les frères et les sœurs, de les sortir de la salafia En se basant sur des règles innovées, des règles innovées, des règles exagérées et des règles qui ne font pas partie... De la voix des salafs. Alors ne prenez pas ma parole, mais vous avez la parole, la mise en garde de Sheikh, Allah baisse sur laquelle je me base. Naham. Également, mes frères et sœurs, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, puisque plusieurs frères se sont plaints en ma présence. Naham. Donc je témoignerai aussi devant Allah Subhanahu wa Ta'ala de cela. Plusieurs frères attestent que lorsqu'ils se sont rendus, et moi-même je l'atteste aussi, lorsqu'ils se sont rendus à la Maktaba Salafia, ont été reçus d'une très mauvaise réception, très mauvaise, à la limite de pourquoi es-tu venu, as-tu mis les pieds ici. Naham » Également, Également, sachez que ses frères, il est devenu aussi monnaie courante, ont pour habitude de se cacher derrière certains grands savants. Ils se cachent derrière certains grands savants en masquant la vérité, le, la vérité par le faux. Naam, ceci est une habitude chez eux. Car je vous assure qu'ayant connu Sheikh Moukbel, Rahimahullah, il n'aurait pas accepté la voix égarée de Mehdi Abiy Abdelrahman et de ses suiveurs, Abiy Khadija ou Il n'aurait pas accepté cela. Naham. Étant donné qu'ils ont un calendrier avec les horaires des prières et dessus, ils ont mis une parole de Sheikh Mokbel qui dit Sheikh Mokbel a fait les éloges pour nous, pour nous. Mosquée Salafi de Birmingham et Maktaba Salafiya, Sheikh Moukbel, a fait les éloges. une genre de taskiya, genre d'éloges. Mais je peux vous assurer qu'ayant qu connu Sheikh Moukbel, s'il aurait vu votre voix, il aurait retiré tout de suite ses éloges. Et de même pour Sheikh, euh, pour Sheikh Obed El Jabiri, derrière qui vous vous cachez, pour la Maktaba Salafia, s'il sait que vous faisiez euh, fuir les frères, lorsqu'on vous demande est-ce que vous avez des livres, des ouvrages de Sheikh Abdurrazak al-Badr, de répondre d'une manière, d'une manière très arrogante Alors je ne pense pas que Obed el jabiri ferait la tasquilla de vos égarements. Naham. À ce moment-là, moment je vais vous relater encore deux faits, pour conclure. Un jour, où je travaillais également dans l'entreprise, où beaucoup de frères travaillaient, où certains frères travaillaient dans cette entreprise, il y avait également un autre frère qui est très proche, qui travaille, c'est un des principaux frères qui travaille dans cette mosquée, soi-disant un salafi entre parenthèses, qui discutait, qui est une des têtes hein, à peu près de cette mosquée, hein, qui discutait avec un petit jeune sur la voie de Manège Salafi. Ce petit jeune lui disait, donc c'est même pas un débutant, le petit jeune. Le petit jeune disait, moi je prie dans toutes les mosquées, pour moi ce sont des musulmans, je prie là où je peux prier. Regardez le responsable de la mosquée salafi, qui travaillait avec moi à cette époque, ce qu'il lui répond. Et au moment où il allait lui répondre, je me suis dit, je vais analyser, et c'est là que je vais voir leur méthodologie, s'ils ont de la sagesse, s'ils sont une référence dans la dawa. Regardez ce qu'il lui a répondu d'un air froid et méchant. Il lui a dit « Est-ce que c'est permis de prier avec un, derrière un moubtadir ?» Il, comme je vous l'ai dit, et comme Chirouassi Allah l'a a mis en garde contre eux sur ce grand crime de rendre innovateurs à tout va des gens, leurs frères, leurs sœurs, comme ça. Qui te dit que l'imam qui prie est un innovateur ce sont les savants qui déterminent qui est innovateur ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas toi, qui n'a même pas la langue arabe. Ce même frère, on m'a rapporté de sources sûres un jour, s'est rendu dans un fast-food qui venait d'ouvrir, plutôt qui venait d'être repris par un frère en face de la mosquée. Alors, Allah ou de ce que l'on m'a certifié, je relate un fait d'un frère de confiance, ce frère qui travaille avec moi, qui est responsable de la mosquée, s'est rendu avec Mehdi Abou dans cette sandwicherie, dans ce fast-food, pour conseiller le frère qui a ouvert ce fast-food parce que, soi-disant, apparemment, il aurait... Des ambiguïtés de Takfiri. À ce qu'on m'a rapporté, le frère a dit ça c'était à l'époque, etc. Mais admettons qu'il a des ambiguïtés de Takfiri. Tellement ils sont durs, tellement ils n'ont pas de sagesse, tellement ils n'ont pas d'amour pour leurs frères et leurs sœurs. D'ailleurs, ça fait deux ans que je suis à Birmingham et que je les vois. Et que je vois leurs suiveurs, et que je vois leurs moutons, et que je vois leur groupe, ils ont le bourde sur leur visage. Ils ont de la haine sur leur visage. Et je ne vais pas vous faire un cours sur euh, est-ce qu'on doit avoir le sourire, l'amour, Rahma, entre nous, ou est-ce qu'on doit avoir la haine sur le visage? Ils sont partis pour le conseiller. Vous savez comment ça s'est terminé Le responsable de la mosquée, il s'est pris un coup de poing et il a fini à l'hôpital. Vous savez ce que dit Sheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Un conseil, lorsqu'il est porté de la meilleure façon avec sagesse, il passe toujours. Expliquez-moi comment ça finit en bagarre. Je ne connais pas les détails. Allahu on m'a dit, Mehdi Abou il séparait, etc. Parce que le fameux frère, là, responsable de cette mosquée, si vous n'adhérez pas à son égarement, oui, c'est vrai, puisqu'il l'a pratiqué sur moi, il ne va plus vous faire de sourire. Il ne va plus vous passer le salem, je ne sais même pas quand je lui ai passé le salem, je ne sais même pas s'il me répondait. Shari' al dit lorsqu'on te passe le salem, lorsque tu le rends, on doit t'entendre. Moi, j'entendais pas. Froid, dur comme si j'étais un moubtadir, un innovateur. Voilà la voix égarée de Mehdi Abu rahman et de C et de C. Suiveur, Naham. Donc après vous avoir apporté ce témoignage, après vous avoir apporté ce témoignage, et sachez que ça fait deux ans j'ai pris beaucoup de recul avant de parler. J'ai pris beaucoup de recul avant de parler pour justement travailler ma nia, mon intention, pour pas que ce soit comme ils disent, ils ont l'habitude de dire, c'est une vengeance, ils se vengent. Comme lorsqu'il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus combien de temps, j'avais fait une mise en garde contre AVS après avoir constaté leur énorme, immense égarement, les frères musulmans de la société Al-Halal à votre service AVS, et que j'avais constaté à mes dépens que beaucoup de frères de la Sunna, N'était pas d'accord sur la mise en garde contre des frères musulmans, hein, contre les élèves de Tariq Ramadan. Oui, euh, hein, à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que j'avais entendu? Ce ne sont pas des innovateurs, ce sont des hawams. Khair inshallah. Donc aujourd'hui, c'est sûrement ce qu'on entendra. Oui, euh, toutes sortes d'excuses. Alhamdulillah, moi ayant constaté cela de mes propres oreilles, de mes propres yeux, j'ai constaté la voix égarée de Mehdi Abou et de ses et de sa bande, et l'ayant constaté par moi-même, je me sens dans l'obligation de témoigner mes frères et sœurs. Et avec sincérité. Et justement, comme je vous l'ai dit, comme on m'avait reproché pour la mise en garde sur AVS, on m'avait reproché, oui, c'est une vengeance. Ici, sûrement, que parmi les ambiguïtés dont ils pourront répliquer, oui, ils se vengent parce que, non, non, non. Si je me serais vengé, je n'aurais pas attendu deux ans pour parler. C'est plutôt parce que il y a un débordement en ce qui concerne l'honneur de certains savants, et c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à parler. C'est ce débordement sur l'honneur de nos savants, l'atteinte sur l'honneur de nos savants qui m'a amené ici, et de nos frères et sœurs ici qui subissent l'injustice de la voix égarée de Mehdi Abou Abdelrahman. Naham. Donc, ensuite, après vous avoir apporté ce témoignage, ce que je vous demande, ce que je vous demande, ici, je ne ferai pas le détail de la mise en garde sur la voie de Mehdi Abdelrahman et de ses acolytes par rapport à la fitna actuelle, par rapport à la fitna actuelle, car il y a d'autres personnes, d'autres prêcheurs, mashallah, euh, d'autres prêcheurs qui ont la capacité de le faire, qui l'ont fait, qui ont détaillé, et il y en aura encore, et il y aura des savants qui détailleront la voie égarée, inshallah. De Mehdi Abiy mais ce que je voudrais, sur ce quoi je voudrais vous faire prêter attention, c'est faites le rapport. C'est pour ça que je fais ce témoignage et cette mise en garde contre Mehdi Abiy et ses suiveurs. Faites la relation entre la manière de pratiquer la voix des salafs, la manière erronée de Mehdi Abdurrahman de pratiquer la voix des salaf dans sa propre mosquée et autour de lui est la fitna d'aujourd'hui actuelle. Faites le rapport. Faites le rapport, c'est-à-dire il ne fait que perpétrer son égarement à travers la fitna qu'il propage aujourd'hui. Analysez cette phrase. Il ne fait que perpétuer son égarement et propager son égarement qui est évident, qui ne date pas d'aujourd'hui, il ne fait que le propager, l'appliquer, le perpétrer dans cette fitna que vous constatez aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, pour ceux qui se disent mais qui doutent, pour ceux qui le suivent à l'aveuglette, voilà la voix de Mehdi Abou Abdurrahman et de ses semblables. Naham. Alors, j'en profite ici pour conclure avec un dernier mot, puisque un des suiveurs, des associés de Mehdi Abiy dans cette fitna, a posté un message en disant maintenant, en soutenant un message de soutien à Abiy Abdelrahman, par rapport à son dernier ouvrage qui n'a même pas été qui n'a même pas d'introduction d'un grand savant qui n'a même pas de permission d'un grand savant pour écrire une mise en garde contre un, des grands savants de la sunna Donc ça c'est à méditer aussi Donc une personne qui a soutenu Mehdi Abiy En disant, maintenant, ceux, ceux qui ne sont pas en gros d'accord avec Mehdi Abou Abdelrahman, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Alors je répondrai à cela. J'en profite ici pour adresser un conseil à ceux qui le suivent maintenant. C'est vous qui n'avez plus d'excuses parce que voilà la personne que vous défendez. Il est extrêmement décevant et lamentable de la part de prêcheurs de la Sunna, qui avaient un énorme impact sur la Darwa qui était respectée, recommandés et aimés par nos frères et nos sœurs. De les voir soutenir une personne ou qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent et alors « Yulhaqubihim » C'est-à-dire qu'ils sont dans le même sac, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite que vous allez découvrir aujourd'hui la voix de Mehdi Abiy et que vous allez vous rendre compte et que vous allez dire Oh là là Comme certains prêcheurs que je connais qui sont proches de moi, qaribun minni naam qui sont proches de moi dans la parenté et qui ont, qui se sont associés dans des écrits ou dans des paroles ou autres à ce Mehdi Abu Abdurrahman qui ne suit pas la voie des salafs. Je pense, j'aimais une parole de bien envers vous en pensant que vous vous êtes avancé. À vous associer à une personne que vous ne connaissiez pas. Parce que, et cela reste à méditer aussi, parce que si vous la connaissiez et si vous vous associez à lui, vous soutenez son manège, alors c'est que vous êtes comme lui. Je ne porte pas de jugement, mais ici, il y a parole à réflexion. Il y a parole à réflexion, il y a beaucoup à réfléchir. Naham. Sur ce, Naham. Naktafi bihad al-Qadr. Nous allons nous contenter de ça. J'espère que cette parole sera profitable pour mes frères et sœurs qui ne savent pas, qui ne savaient pas, ou qui avaient une confiance aveugle envers la voie égarée. que suis مهدي أبو عبد الرحمن واساس أكوليت، أتمنى أن يفتح قلوبهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته